Actuellement dans le common area de Kikoud, mon collège, et ce vendredi, là, les cours commencent la semaine prochaine, donc j'ai encore quelques jours de repos avant de commencer le tournoi mes cahiers. Sincèrement, c'est comme tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler. La dernière fois, les résultats de la développeurie ont été disponibles et beaucoup de gens m'ont écrit en me disant: oh, est-ce qu'il y a des sélectionnés? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sélectionnés? Je pense qu'il y a une chose que vous ne savez pas. La développeurie est jouée par des millions de personnes à travers le monde. Il n'y a pas que l'Afrique qui joue, il n'y a pas que l'Europe. Il y a l'Afrique, l'Amérique, l'Asie et l'Europe. Donc quasiment tous les continents sont concernés par ce jeu. Et pour être sincère, 50 000 visas, c'est rien quoi. 50 000 visas disponibles, c'est quasiment rien. Car 50 000, les gens pensent que vraiment, les gens se disent que 50 000 c'est assez. Non, 50 000 c'est pas assez. Par rapport aux plusieurs de milliers, à plusieurs milliers de personnes qui jouent, 50 000 visas, c'est quasiment rien. Du coup, c'est vraiment un nombre infime, vraiment. Raison pour laquelle on parle de loterie, on parle de chance. La développerie, c'est une question de chance et c'est vraiment une question de karma. Il faut vraiment avoir du karma pour avoir la chance d'être sélectionné parmi ces personnes. Et chaque pays a un nombre, un ratio de visas. Du coup, plusieurs personnes, c'est un peu comme dans la vie réelle, dans la vie normale. Plusieurs personnes y vont, mais combien réussissent, c'est comme les examens. Donc, vous devez. Une chose que l'homme doit mettre en tête en jouant à la développerie, c'est que c'est une question de chance. Ça peut marcher ou pas. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ça ne changera rien. Parce que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Les questions de chance, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut, c'est d'attendre et de prier pour que la chance soit de notre côté. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que tous ceux qui jouent à la développerie, au loto cadeau, loto benz, loto diamant, pourquoi personne ne gagne? Tous n'ont pas la chance de gagner. Une seule personne peut venir rafler tout ce qu'il y a comme prix et mise en jeu. De même que plusieurs personnes peuvent jouer et ne pas être sélectionnées. Donc vraiment, moi je me dis vraiment, ma mentalité en tant que personne par rapport à la développerie, je me dis c'est une question de chance. Et toute personne qui se prépare à jouer à la développerie doit comprendre ça, c'est une question de chance. Et donc, du coup, ne pas mettre toute son énergie là-dessus. Le problème, c'est que la plupart des gens mettent leur énergie sur la développerie en disant: oui, j'ai vraiment envie de gagner. Oui, c'est bien d'avoir la volonté, mais tu ne peux rien. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune force là-dessus. Tu n'as aucun poids pour peser sur la développerie. Du coup, tout ce que tu peux faire, c'est d'attendre, de prier. Je vois les gens qui se posent demander la question: c'est quoi le problème? Non, le problème, il n'est nulle part. Le problème, c'est que plus beaucoup de gens, quand tu commences à jouer à la développerie, beaucoup de millions de personnes jouent chaque année. Du coup, c'est vraiment un nombre infime. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, tu vois. Donc, faut vraiment qu'on le mette en l'esprit, qu'on se dise que la développerie, en fait, c'est une question de chance. Et ne pas vraiment se contenter là-dessus, que ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est pas grave. J'ai eu vraiment le. Je ne sais pas si je dois parler de chance, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont passé plus de 15-20 ans à jouer à la Devlotori sans jamais être sélectionnés. Il y a des gens qui ont commencé à jouer à la Devlotori depuis 2004. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été sélectionnés. Des gens qui ont commencé à jouer à la Devlotori depuis 1998. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été sélectionnés. Donc, c'est vraiment une question de choix. À côté, il y a des gens qui jouent dès la première fois. Ils sont sélectionnés. Je crois la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit: ah, oh, ouais, je suis sélectionné, mais seulement que j'ai 19 ans et je suis encore en terminale. Tu te rends compte, donc vraiment la développeuse, c'est une question de chance. Et l'erreur que nous faisons, c'est que nous mettons toute notre énergie, nous nous focalisons toute notre force là-dessus. Non, on ne doit pas le faire. Ça ne doit pas être en être ainsi. Il faut maintenant qu'on ait une autre vision de la chose. Si ça marche, Dieu merci. Ça ne marche pas, tant mieux. Qu'on ait un peu vraiment cette mentalité, cette vision des choses pour qu'on se dise que oui, c'est pas forcément que ça marche, mais ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais dans les deux cas, il faudrait quand même qu'on nous soyons égaux à nous-mêmes. Tu vois. Alors donc, lorsqu'on est sélectionné pour la développerie, félicitations à tous ceux qui ont été sélectionnés. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Ce n'est que le début du commencement, d'une façon, si je dois dire. Parce que le fait d'être sélectionné à la développerie ne garantit pas forcément que vous aurez votre visa. C'est l'une des choses que nous ne comprenons pas, mais on devrait pourtant. Le fait d'être sélectionné à la développerie ne nous garantit pas que nous aurons notre visa. Ne garantit pas que nous aurons à 100% notre visa. D'où la possibilité et l'obligation de vraiment prendre en considération tous les paramètres qui rentrent en jeu. Sachez que si vous ratez une question ou bien vous faites une petite erreur, ça peut vous coûter votre visa. Et du coup, ça peut vous coûter tout l'investissement que vous avez dû mettre dans cela et aussi votre énergie mentale et vraiment votre volonté. Ça peut casser votre vie. Donc vraiment, raison pour laquelle je demande aux gens de ne pas vraiment se focaliser sur la développerie parce que c'est une question de chance.
vous n'avez aucun poil dessus. Et quand on est sélectionné, il y a plusieurs étapes à suivre pour obtenir un visa. Ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 9 mois, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 1 an, 7, 8 mois. Donc c'est une question de temps et tout dépend aussi de votre case number. Donc plus vous avez un case number assez bas, pensez à directement envoyer votre DS-260 au KCC pour avoir la chance d'être parmi les premiers servis par rapport à la développerie. Les gens me demandent quand est-ce qu'il faut sélectionner, quand est-ce qu'il faut envoyer le DS-260. Aussitôt que vous avez été sélectionné, si vous avez toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas, envoyez votre DS-260. Ça ne tuera rien. De toute façon, vous serez en vie. Vous savez qu'à tout moment, vous aurez votre interview de développerie. Tu vois. Donc, bonne chance à toutes les personnes et du courage à ceux qui n'ont pas été retenus, sincèrement. Vous devez vraiment comprendre ça. La développerie, ce n'est qu'un jeu. Et dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Peut-être que cette année n'est pas la vôtre. Donc, l'exemple que je demande aux gens de continuer à jouer encore et encore. Vous ne savez pas quand est-ce que la chance peut sourire. Donc, à toutes les personnes qui ont été sélectionnées, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur Internet. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos sur la développerie. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur ce sujet. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder seulement mes vidéos, vous pouvez regarder mes vidéos, regarder d'autres vidéos, essayer de faire des comparaisons. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de mon aide, si vous avez besoin que je puisse vous assister en quoi que ce soit, écrivez-moi ou j'ai ma page Facebook Fabio Lucien aux États-Unis. Aimez la page, cliquez, partagez et écrivez-moi, je me ferai le plaisir de vous répondre, d'interagir avec vous et vous apporter mon expérience, vous comprenez un peu. Donc, bonne chance à vous, bonne chance pour la suite et puis force à vous. Continue de rêver, la vie est un rêve, la vie est un combat. Chaque jour, vivez-le comme le dernier et agissez comme si demain était déjà tout proche. Merci à vous. Fabio Lucien, abonne-toi comme tu sais. Bang, 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 bang. Piu!